tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bonjour à tous, c'est Nico Guest du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 21 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence tout de suite cette vidéo avec le troisième match de groupe de Ligue des Champions contre le Mönchengladbach. Allez, la composition du Mönchengladbach apparaît à l'écran et maintenant je comprends pourquoi ils sont invaincus. Car en vrai, ils ont une sale équipe. Et du côté de l'Olympique de Marseille, c'est bien sûr mon équipe Chip qui a fait le déplacement. Allez, c'est parti pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Et ce match pourrait permettre de départager ces deux équipes qui jouent aujourd'hui. Car on est tous les deux invaincus. Et ça pourrait permettre à une des deux équipes de passer en tête du groupe avec 3 points d'avance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ils ont la chance, eux, d'être à domicile. Mais nous, on a la chance d'avoir une meilleure équipe, je pense. Mais attention à ce Mönchengladbach qui est l'équipe qui surprend tout le monde. Car comme j'ai dit, ils sont invaincus. Donc là, par rapport à leur composition d'équipe, ils ont l'air d'être plutôt défensifs. Mais on va voir, on va vite fait prendre la température de ce match. Là, on récupère le ballon, on va voir si c'est une équipe surtout qui presse. D'ailleurs, là, ils ont l'air de jouer très haut. C'est surprenant. Waouh, 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 ils pressent fort en vrai. Ils pressent fort, ils jouent très haut. Ils jouent très très haut. Attention. Bien Mandanda. J'espère qu'il y a quelqu'un au fond du couloir. Bien joué. Osimhen, il va falloir compter sur la vitesse de nos joueurs. Oh non, ça c'est mal joué. Sur la vitesse de nos joueurs rapides, je pense. En fait, le Mönchengladbach joue à peu près comme le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression. Une équipe qui presse et qui joue vite et surtout vers l'avant. Du coup, il va falloir jouer les contre-attaques à fond. Voilà, ça c'est bien joué. Allez, ah, oh, j'ai pas réussi à faire la passe en retrait. Par contre, j'ai toujours du mal avec la neige. Il y a deux choses qui me dérangent dans FIFA, c'est les matchs à 5 heures avec l'ombre qui fait moitié-moitié du terrain et la neige. La neige, je sais pas, j'ai l'impression que on voit mal. Attention, attention, bien joué. Où on n'arrive pas à ressortir. Il va falloir que je m'applique un peu plus là défensivement. Que je me jette pas surtout. Voilà, là on le fait reculer, ça c'est bien. Voilà, c'est récupéré par Camara. Allez, ça c'est bien joué. L'appel de Rodrigo. Rodrigo qui se fait assez vite rattraper en plus. Allez, Osimhen. Oh, je bégaye au moment de parler ou quoi? Allez, déjà première action pour l'Olympique de Marseille. Une action de chaque côté. Et deux bons gardiens. Allez, on va s'appliquer sur le corner. On va tenter la spéciale. Let's go. Ouh, c'est mal tiré ça. Oh, attention, c'est pas terminé. C'est pas... Ah mais, mais ça se fait pas ça. Sommer, il est en bleu. Comme mon équipe. Non, ça se fait pas. Le gardien devrait avoir une autre tenue, clairement. Oh, ça, c'est bien joué. Très bien joué. Palacio pour l'ouverture du score. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Grâce à un but de Ezequiel Palacio. Et l'action, elle était magnifique. Je sais pas, on était en surnombre. Ouais, on était en surnombre, on a réussi à créer le décalage. Palacio était tout seul et derrière il met une magnifique frappe dans le petit filet opposé. Une frappe surtout puissante qui ne laisse aucune chance à Sommer. Et voilà pour le moment, l'Olympique de Marseille passe en tête de ce groupe. Maintenant il faut continuer comme ça parce qu'en face on a une équipe très forte. Et on a vu qu'on n'est pas à l'abri de prendre un but. C'est surtout à moi de me concentrer et de bien jouer défensivement
En plus là, je vous cache pas, je sais pas si c'est nerveux ou si il fait vraiment froid chez moi, mais je tremble. Je tremble, les gars. Non, franchement, j'ai froid. Mais des fois, j'ai froid, mais nerveux, tu vois. Je sais pas si à vous aussi ça vous arrive. Ou attention, attention, faut vraiment pas que ça centre. Allez, Fatshi qui défend, qui vient aider la défense, ça c'est bien. Allez, on repousse. Ouais, oh, attention, attention. Eux aussi, essaye de créer le décalage. Bien joué. Ouais, voilà, je vais dégager avec rond maintenant, parce qu'on a vu que quand je dégage en faisant carré, ils tirent à mi-hauteur. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, les gardiens, à dégager à mi-hauteur. Ils dégagent sur les attaquants. Donc on va plutôt dégager en rond, quitte à mettre le ballon en touche, mais au moins on dégage. C'est dommage parce que du coup on perd le ballon, mais bon. C'est mieux de perdre le ballon que de prendre un but des fois. Bien ça, Samson. Allez, la contre-attaque. En dessous, Fatshi, il est tout seul. Et en plus, la vitesse qui va aider. Allez, on décale pour Osimhen. Oh là là, Osimhen qui rate son contrôle. Et qui se retrouve beaucoup trop près du gardien. Allez, attention à la contre-attaque maintenant de l'équipe allemande. Je crois qu'ils sont allemands. Hein. Ouais, c'est une équipe allemande, le M. Glabach. Oh attention, oh attention, il y a beaucoup de monde. C'est bon, c'est capté facilement par Mandanda, mais en tout cas, les défenseurs marseillais qui étaient battus. Allez, on écarte sur Amavi. On a des solutions, on a beaucoup d'appels. Allez, Almada. Almada qui réussit à avoir ce ballon. Almada, normalement c'est une passe pour Fatshi, mais Fatshi ne voulait pas ce ballon apparemment. La frappe de Samson, première intention, c'est contré. Allez, ça va revenir. C'est pas là que j'ai dit la passe, mais c'est bien, ça passe. Et leur pressing, il est vraiment gênant. Allez, ça c'est bien joué. À la limite, Giorgio, Osimhen. La frappe croisée. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui se met à l'abri dans ce match. Grâce à un but de Victor Osimhen. Ah, ce but, j'ai fait plaisir. J'ai pas compris le placement du défenseur. Il était au marquage sur Osimhen et d'un coup, il le laisse tout seul pour aller sur Samson. Mais Osimhen était tellement mieux placé que Samson. Et du coup, ben, c'est un but offert. C'est une équipe que, une fois on arrive à passer leur pressing, une fois qu'on arrive à casser la ligne du milieu, derrière, il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Ça ouvre beaucoup d'espace. Donc, une fois qu'on réussit à éviter leur pressing et à faire cette passe vers les attaquants, ça va tout seul, mais je vous cache pas que voilà, c'est une étape compliquée à passer leur milieu de terrain. Allez, ça c'est bien joué à ma vie. Et après voilà, on joue surtout sur la vitesse de nos joueurs. Même si les leurs aussi sont rapides. Oh, attention, attention, il faut replacer Khaled Takkar. Bien joué. On va les laisser avancer pour pas laisser d'espace. Voilà, ça c'est bien joué. Voilà, très bien joué, ça c'est propre, de ouf. Et voilà, c'est la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre et c'est l'Olympique de Marseille qui mène par 2-0. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps et pour le moment, on gère bien ce match. Donc là, on a l'engagement et ça va être le moment de gérer ce ballon, de garder la possession et de faire tourner. Donc là, pour le moment, le M. Gladbach, voilà, ça y commence à sortir. Il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif. Oh, la mauvaise passe de Rodrigo. C'est récupéré par Samson. Mais aussitôt perdu. Je pense qu'il est hors jeu. Ouais, voilà, je l'ai bien vu. C'est bien joué de la part de Mazraoui qui est monté juste au bon moment. Pff, ouais, attention. Attention à ce ballon. On réussit à le conserver, c'est cool. Allez, dans la profondeur pour Osimhen. La frappe croisée.
Et ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille, grâce à un doublé de Victor Osimhen. Il laisse tellement d'espace dans leur défense, c'est incroyable. De temps en temps, on a l'impression qu'ils défendent avec seulement 3 défenseurs, tellement il y a des espaces. Et là, ça profite à Victor Osimhen, qui a fait un magnifique appel et qui finit en 1v1 face à Sommer et qui conclut parfaitement cette action. Et 3-0 pour l'Olympique de Marseille, qui a tout simplement, je pense, achevé le M-Gladbach. Allez, on écarte en bas sur Mazraoui. On prolonge pour Fatshi. Sanson. Il y a du monde au deuxième poteau. La reprise! Et ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille, qui est très bien rentré dans cette deuxième mi-temps grâce à un but de Thiago Almada. Et le centre de... Je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a fait. Il était parfait, les amis. C'est Sanson, voilà, qui est au centre. Et il est parfait. La reprise pleine d'équilibre de Almada. Croisé, petit filet opposé. Sommer ne peut rien faire. Et 4-0 pour l'Olympique de Marseille, qui montre... Ben, qui c'est le tenant en titre, tout simplement. Et on montre au M-Gladbach que nous, on est un level supérieur aux autres équipes. Même s'ils ont réussi à battre l'Atlético de Madrid, ben, nous aussi, on les a battus déjà. Et voilà, hein, on est au-dessus, tout simplement. On survole la Ligue des Champions. Allez, ça, c'est capté facilement par Mandanda. Par contre, là, j'ai personne à qui faire la passe. Voilà, bien joué. Oh, il est tout seul en haut. C'est pas là que j'ai dit, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on garde ce ballon. Allez, on a vu l'appel d'Osimhen, mais c'est pas passé. Allez, on les bloque dans le coin. Et comme j'ai dit, l'objectif, c'est quand on gagne comme ça, c'est surtout de ne pas encaisser de but. On vise le clean sheet. Et on sait que c'est le défaut de notre équipe, de souvent prendre des buts. Il est bloqué. Oh, je me suis jeté pour rien. Bien ça. Très bien. On va attendre l'appel de Osimhen. Mais malheureusement, ça passera pas. Voilà, on a le soutien de Sanson, ça c'est bien. On a vu Almada. Je pense il a la limite du hors-jeu, ou il est hors-jeu peut-être. Non, pas d'hors-jeu. Eh ben 5-0 pour l'Olympique de Marseille face à son concurrent direct. Hein, parce que jusqu'à maintenant, on était tous les deux invaincus. On était au même nombre de points. Mais là, l'Olympique de Marseille qui enchaîne et qui mène 5-0 grâce à un doublé de Thiago Almada. Et pourtant, la première mi-temps, elle était quand même assez serrée. Mais là, ça va tout seul. Je pense qu'ils ont pris un coup au moral, les joueurs allemands du M-Gladbach. Et ils ne savent plus comment nous contenir. C'est surtout que leur stratégie, elle est bizarre. Hein. Comme j'ai dit, ils pressent, mais ils défendent pas du tout. Ils reculent pas du tout. Et du coup, ça laisse des espaces énormes. Et nous, ben, on se faufile dedans, tout simplement. Hein. Regardez. Il est tout seul, les gars. Dommage, je ne réussis pas à faire la passe à Osimhen. Et voilà, on va en profiter pour faire nos remplacements. Donc, Mazraoui, il est à court de jus. Donc, premier remplacement, Mazraoui, entrée de Rockshia. Deuxième, donc là, il faut que je regarde, 28, 23, 21, 16 pour Sanson. Donc, on va faire sortir Sanson pour commencer. On va faire entrer Gay. Et ensuite, je crois que c'est mes défenseurs. On va faire sortir Camara. Et on va faire rentrer Perrin. Et maintenant, attention, parce que les joueurs qui rentrent en jeu, c'est surtout des remplacements défensifs qu'on a fait. Du coup, faire attention du côté droit. Là, vous pouvez voir qu'il va être très fragile avec Gay, Rockshia et Perrin. C'est beaucoup de manque d'expérience de ce côté. Donc, il va falloir surveiller ce petit côté. Allez, Rodrigo. Ah, ma vie, il n'est pas parti. Mais en plus, je me suis fait prendre le ballon avant de faire la passe.
L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Oh, attention, attention. On essaye de faire... Ah, petite main. De Perrin ou Kaletakar. Non, Kaletakar. J'avais demandé de faire une passe au gardien, mais bon. Il n'a pas réussi. Et attention, là. Oui, c'est bien, c'est récupéré par les Marseillais. On écarte vite sur Osimhen. La contre-attaque peut être lancée côté Marseillais. Allez, la vitesse de Rodrigo. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce ballon? Malheureusement, non. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Par contre, si la passe aurait été légèrement plus forte, c'est sûr, il passait. Ouais, attention. Allez, allez, sortie de Mandanda. C'est bien cette passe qui arrive au gardien marseillais. Pourtant, cette tête, elle était compliquée. Là, dans l'axe, on a Gay qui est tout seul. Attention, attention au pressing. On écarte sur Fatshi. Et malheureusement, il s'est fait devancer par Marcus Thuram. Par contre, il va où, Marcus Thuram? Il va marquer dans sa cage? Allez, allez, la pression, bien joué. Ce ballon qui est mis en touche. Kramer et Dost qui rentrent. Après voilà, j'ai quand même confiance en Perrin et Rocha. Rocha nous a montré que des fois il était plutôt utile. Allez, à ma vie. Attention, attention, parce que là, ils sont en surnombre. Faudrait pas que le ballon passe. Et la magnifique parade de Steve Mandanda, le capitaine marseillais, à trois reprises dans ce match, a empêché le M Gladbach de marquer. N'empêche, voilà, faut le souligner, Mandanda fait un match énorme. Parce que la première action, si on aurait pris le but dès le début du match, ça aurait pas été le même match. Le M Gladbach aurait été en confiance. Et là pas du tout. Hein. Là, on les a enterrés. Et la tentative Fontaine qui passe à côté de la cage de Mandanda. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et voilà, maintenant il y a le pressing. Il a mis trop de temps à faire cette passe. Attention, Rocchia. Allez, on va jouer derrière avec Mandanda. Normalement, voilà, il va venir au pressing et ça va me... ouvrir des opportunités. Mais Perrin, il s'est éloigné au lieu de venir m'aider. Réaction incroyable du défenseur marseillais. Oh, attention à cette perte de balle. Attention, Kaletakar, magnifique retour, mais c'est pas terminé. La sortie du gardien marseillais, incroyable. Attention. Et ça passe à côté. L'Olympique de Marseille qui est quand même en réussite dans cette fin de match. À ma vie, il était bien placé. Hein. Il était bien placé. Mais voilà, ça finit dans le petit filet extérieur. Là, par contre, attention. Hein. Attention à pas commettre la même erreur. On va dégager sur Amavi. Et là, il y a le pressing qui va arriver rapidement. Et ben là, ils sont en train de rejouer comme au début du match. Et ça, c'est compliqué à faire face à une équipe qui joue comme ça. Et comme j'ai dit, si on arrive à passer cette ligne, derrière, ça va au but. Allez, Pape Gay. La frappe est repoussée par Sommer. C'est pas fini. Palacio pour la tentative lointaine, c'est contré. Ok, apparemment il y a une main de Palacio. Bizarre. Allez, plus que une minute à tenir. Et l'objectif, je l'ai dit, clean sheet. Même si on a eu vraiment des frayeurs dans ce match. Oh, Almada tout seul. Le triplé pour Almada. Et voilà, 6-0 pour l'Olympique de Marseille. Et un triplé pour Thiago Almada. Et là, vous avez vu, les deux défenseurs étaient... Ben, les deux sur Osimhen. Ils ont laissé Almada tout seul. Encore une fois, je comprends pas cette défense de M. Gladbach. Et d'ailleurs, c'est toutes les équipes en Ligue des Champions défendent comme ça. C'est vraiment bizarre. La Ligue des Champions est vraiment très mal équilibrée. Et comme je dis, la Ligue des Champions, c'est de l'eau. Je comprends pas pourquoi c'est aussi facile. Et voilà, c'est terminé. C'est une victoire de l'Olympique de Marseille par 6-0. Et du coup, on prend la tête de ce groupe. Et on enchaîne directement avec la 11e journée de Ligue 1. Et pour ce match, les Girondins de Bordeaux reçoivent l'Olympique de Marseille. Allez, la composition des Girondins de Bordeaux apparaît maintenant à l'écran. Et c'est un 4-2-3-1 qui est aligné. Une équipe assez défensive.
Et du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'équipe B qui a fait le déplacement. Allez, c'est parti pour cette 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, un match qui semble compliqué. Donc on va voir, on va, comme d'habitude, on va prendre la température, on va essayer de se créer des espaces, de faire tourner le ballon en attendant la solution. Et surtout, objectif, ne pas prendre de but, même si voilà, aujourd'hui on est à l'extérieur, ça risque d'être un peu compliqué. Oh, ça c'est bien joué. Kanginili, la frappe croisée, c'est repoussé par Costil, mais ça revient dans les pieds du capitaine Camavinga, et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Eduardo Camavinga. Bon ben voilà, ce match commence plutôt bien. Costil qui est malheureux de repousser ce ballon dans les pieds de Camavinga, mais en même temps personne n'avait suivi du côté des Bordelais. Camavinga, il était tout seul dans la surface. Et d'ailleurs, Costil, en se relevant, il a regardé derrière lui, il trouvait... Ben, c'est pas normal qu'il n'y ait aucun joueur de son équipe, aucun défenseur pour reprendre ce ballon qui revient. Allez, ça commence bien pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, il faut continuer. C'est un but, je sais pas si on peut dire s'il est chanceux ou non, hein, la construction, elle était là. Mais voilà, c'est un but rapide dans ce match. Du coup, il y a encore beaucoup de temps à jouer. Et ce que je veux dire, c'est que les Bordelais peuvent égaliser et encore aller chercher une victoire. Allez, c'est bien joué. Très bien joué. Aïdara, la frappe pied gauche. Et on le sait, les amis, on le sait. Aïdara, pied gauche, c'est jamais bon. Mais en même temps, j'étais obligé de tenter. Il n'y avait pas d'autre chose à faire à ce moment-là. Ah, dommage, cette passe qui n'arrive pas. J'aurais bien tenté une petite frappe pied gauche avec Kanginili. Et attention à la contre-attaque. Bordelaise. Les défenseurs marseillais qui n'arrivent pas à se décider. Qui c'est qui va sur le porteur du ballon. Et c'est Saliba qui est allé et qui le récupère. Allez, on écarte sur Jérémy Doku. Dans la profondeur pour Raphaël Léo qui s'est arrêté. Dommage. Allez, Bordeleux qui ont eu le temps de revenir. Il est hors jeu. De toute façon, ce ballon, il est perdu. Allez, faut se replacer. Et le problème avec une équipe défensive comme Bordeaux, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer les contre-attaques. Parce que du coup, comme ils sont placés bas, ça peut pas aller rapidement de l'avant. Attention, là, à ce ballon dans le couloir gauche. Oh, le centre deuxième poteau, il est tout seul. La reprise! Et ça passe juste au-dessus de la cage de Lunin. Quelle magnifique reprise de Houdin. On a eu très très chaud sur cette occasion. Il était tout seul au deuxième poteau. Et comme d'habitude, c'est Tavares qui se place très mal. Il est, je comprends pas, il est vraiment dans l'axe. Hein. C'est limite, c'est un troisième défenseur central qu'on a. Oh là là, l'appel de Raphaël Léao à la limite du hors-jeu. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout de cette action? C'est compliqué. La passe en retrait, non, c'est intercepté par un Bordelais. Attention, ça part vite en haut. Est-ce qu'il va lui donner le ballon? Non, c'est pour Tavares qui s'appuie sur Lunin. Parfait, on va pouvoir repartir. Allez, on écarte là-haut sur Radonjić. Ce ballon qui a été dévié. Et ce match est quand même assez dynamique, ça va vite. Et ce ballon qui sort. Kouaten qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. J'espère que je ne vais pas faire une connerie en écartant comme ça. Ah, ça va, la passe elle est magnifique. Oh, par contre le contrôle, c'est pas la même histoire. Allez, ballon perdu par Dest. Voilà, le contrôle il était vraiment affreux. Hein. Alors que la passe elle était millimétrée. Allez, c'est une touche. Allez, il va falloir réussir à récupérer ce ballon et aller de l'avant. Parce que là, ça fait un petit moment que les Girondins de Bordeaux sont dans notre partie de terrain et qu'ils font tourner.
Oh, attention, attention à Kwasi qui passe au travers. La défense marseillaise qui est quand même assez fragile, hein, on le sait. Ils ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Allez, c'est Kamavinga qui vient aider les défenseurs. Allez, Dest. C'est contrôlé par Saliba proprement. Allez, ça peut partir devant. Allez, Doku, on a vu. Allez, la vitesse de Doku. Est-ce qu'il va aller au bout de cette action? La frappe de Doku. Et malheureusement, ça passe à côté. J'avais dit de viser le deuxième poteau. Je sais pas pourquoi il tire là. Mais ça passe juste à côté, hein, de la cage de Kostil. C'est dommage. Doku qui n'a toujours pas marqué sous les couleurs marseillaises. Mais en tout cas, l'action, elle était belle. Dommage qu'il n'ait pas écouté ce que je lui demandais. Parce que clairement, je voulais la frappe au deuxième poteau. Léo qui est vite sous pression et qui perd ce ballon. Attention, il part tout seul en haut. Y a pas une petite faute là, monsieur l'arbitre? Et Saliba, il est propre. Hein. Y a une faute. Il y a une faute de la part de Saliba. Attention à ce coup franc très bien placé. Et c'est Houdin qui va s'en charger. Houdin qui avait mis une magnifique reprise en début de match. Attention, c'est cadré, mais ça manque de puissance. C'est capté facilement par Lunin. Bon, on va écarter là-haut. Bien joué. Oh là là, ça peut aller vite, ça. Par contre, Léo, lui, il est plus serein sur les passes comparé à Fabio Silva. Allez, deux coups. Ouh, attention, attention. Il était un peu juste sur le contrôle. Allez, faut ressortir. On a Kamavinga, Radonjić. On prolonge pour Dest. La passe pour... Pour qui? J'ai même pas vu qui c'était. Mais c'était bien joué, hein, le défenseur qui était bien positionné. Et c'est Rafael Leao qui était au centre. Allez, on va essayer de trouver la tête de Kwasi sur ce corner. Ça fait un petit moment qu'on les rate, hein, les corners. Donc là, ce serait bien qu'on s'applique. Allez, c'est bien tiré. Kwasi à la retombée. Et c'est capté par Kostil. Ça manquait un peu de puissance, cette tête de Kwasi. Dommage. Allez, Marseillais qui sont en train de se replacer encore. Allez, faut freiner cette offensive. Oh, bien joué. Oh, mal joué. Attention. Attention. C'est bien, c'est bien. Les Marseillais qui se placent très bien. Qui ne laissent aucun espace, sauf là, dans ce couloir. Dest qui était revenu dans l'axe pour aider. Et du coup, il a laissé le couloir tout seul. Mais on s'en sort très très bien. Magnifique parade de Lunin. Et voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le petit score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Il va falloir faire attention car Bordeaux fait un très très bon match. Et du coup, ce serait bien qu'on se mette à l'abri rapidement dans cette deuxième mi-temps. Allez, on écarte là-haut sur Tavares. Tavares, lui, qui a réussi le contrôle. Il va falloir passer dans l'axe. Allez, Kamavinga. Le buteur de ce match. Bon, on cherche des solutions. Hein. C'est compliqué dans cette défense serrée et nombreuse. Allez, ça, c'est bien joué. Rafael Leao, peut-être, pour la frappe de loin. Non. Allez, les solutions se ferment très, très vite. Hein. Très bon positionnement de la défense bordelaise. Allez, on ressort sur Dest. Dans l'axe, on a Kanginli. Lui pour Aïdara. L'enroulé lointain. Et ça passe juste au-dessus de la barre transversale de Kostil. Kostil qui était avancé et qui aurait pu se faire surprendre par cette frappe. Et malheureusement, ça passe au-dessus. Et d'ailleurs, Kostil s'est fait surprendre par cette frappe, mais elle n'est pas cadrée. Allez, c'est un Bordelais qui est à la retombée. Allez, Dest, petit effort, mon petit. C'est bien, c'est bien. On se positionne bien. On va essayer de les empêcher de centrer. Il est hors-jeu. Bien joué, ça, les gars. La défense de Marseille parfaitement alignée. On voit Kwasi faire le petit pas en avant pour laisser
Le joueur bordelais hors jeu. Très très bien joué. Allez, Kamavinga. On va sur Aïdara. On va essayer de trouver là-haut. Doku. Oh, c'était limite, mais ça passe. Allez, la tentative lointaine de Rafael Leao est magnifique. Plongeon de Costil pour sortir ce ballon. Quel magnifique envol du gardien français. Et la frappe, elle était magnifique aussi. Hein. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. On va essayer de la jouer pareil que tout à l'heure. Oh, c'est bien tiré. Kouassi à la retombée. Et malheureusement, il était sur les talons, il était en reculant. Et du coup, compliqué à reprendre. Mais c'est pas terminé. Oli, il est sur son bon pied, l'enroulé. Et je remarquais trop tard que c'était Kangin Lee. Dommage. Et de toute façon, ça manquait un peu de puissance, cette frappe. C'est capté facilement par Costil. Allez, pour le moment, on a la position de balle, donc c'est bien. On continue de se créer des occasions. Oh là là, ça s'est bien joué. La frappe de Lee. Et ça fait 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but du jeune Kangin Lee. Et quelle magnifique construction de l'Olympique de Marseille. La défense bordelaise qui s'est jetée, ça profite. Le magnifique 1-2 entre Lee et Rafael Leao. Lee qui se retrouve tout seul. Et la frappe parfaite. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Ah là, je suis fier de mon équipe B. On dispute un match solide. Sans erreur. Allez, maintenant, il faut continuer. Objectif, clean sheet. Car voilà, ça a été notre défaut de la saison passée. Défaut de ce début de saison. On prend beaucoup trop de buts. Donc là, c'est vraiment concentration, focus sur la défense. Et si on prend pas de but, on perd pas de match logique. Ou attention, attention, il est tout seul. Et ça passe à côté de la cage de Lunin. Encore une fois, on a beaucoup de chance. Parce que Falk, il était tout seul. Lunin était mal placé. La frappe était magnifique. Croisée, mais beaucoup trop croisée, malheureusement. Et du coup, le score reste à 0 pour les Bordelais. Allez, ça, c'est bien joué. Ah, aujourd'hui, les amis, je suis motivé. Même dans le commentaire, je sens que je suis plutôt bien. Là, je m'amuse sur le jeu. C'est cool. Allez, ça, c'est bien joué. Kamavinga. On a Leao, peut-être. Ah, le contrôle orienté. Peut-être une faute, là, monsieur l'arbitre, non? Oh, Doku pour la tentative lointaine en roue. Oui! Oh, Doku qui a un peu trop forcé là. Hein. Ce ballon qui s'envole. Franchement, je m'attendais pas à une frappe comme ça de la part de Doku. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu tiré trop fort. Je m'attendais plutôt à une frappe molle de la part de Doku. Et finalement, quelle puissance! 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, bien joué. On récupère ce ballon. Oh, Dest qui est parti, ça s'est bien joué. Allez, le centre. Est-ce que Rafael Leao... Oui! Oui, Rafael Leao a réussi à reprendre ce ballon de la tête. Et ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but de Rafael Leao. Et si Rafael Leao est capable de faire ça, je vais tenter des centres plus souvent. Parce que là, clairement, il gagne son duel à la tête face au défenseur bordelais qui avait clairement l'avantage hein, car il était devant. En plus, Costil rate complètement sa sortie et ça profite à Leao qui permet aux Olympiens de mener par 3 buts à 0. Et la tête, elle est magnifique, hein, tête décroisée. Et Leao qui marque des buts depuis qu'il est revenu de blessure, ça fait plaisir. Faut continuer comme ça, même si Fabio Silva lui a en marqué plus, c'est déjà pas mal. Par contre, j'aurais dû faire mes remplacements et je les ai pas fait. Bien, Saliba. L'arbitre qui laisse l'avantage. Allez, bien, bien récupéré par les Marseillais.
L'appel de Doku. Ça peut aller vite. Très vite même. Ouais, il se fait rattraper. Hein. Il va très vite, mais je sais pas comment il a fait le défenseur, mais... bravo à lui. Hein. Même ses jambes, elles étaient floues tellement il allait vite de coups et je sais pas comment il a fait le défenseur. Par contre, j'aimerais que le ballon sorte. J'aimerais faire mes remplacements parce que là, ça va être compliqué sinon. Allez, Saliba, un dernier petit effort. Magnifique ça! Allez, Lunin, faut continuer. On empêche les Bordelais de marquer. Hein. Et là, j'aimerais vraiment que le ballon sorte par contre. Je vais tenter de faire une faute, je sais pas, quelque chose. Allez, ça c'est bien. Oui. Ouf, compliqué. Hein. Limite, j'ai envie de mettre le ballon en touche, mais bon, ce serait bête de perdre le ballon comme ça. Allez, Radonjić. Radonjić, lui, il a encore un peu d'énergie. Pourquoi il n'y a personne au centre? Eh ouais, il y avait personne au centre, malheureusement. Allez, Dest, fais le petit effort là de revenir. Il est hors jeu, monsieur l'arbitre? Oui, il est hors jeu. Bon, on va quand même faire nos remplacements, même s'il reste plus que 3 minutes à jouer. Oh, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Saliba qui aurait dû monter bien avant. Je sais pas pourquoi il est resté loin derrière comme ça. Allez, Léo, il en peut plus. Hein. Il est HS. Donc, on va voir 5, 9, 0. Ça, c'est encore pire. 0, 0. Il y a plein de. Oh là 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 là, toute ma défense, elle est à 0. Je vais sortir Saliba qui fait un gros match et qui, on a vu là à la fin, ne monte plus du tout. Donc on va vraiment le mettre au repos. On va laisser Tavares cette fois, Dest. D'habitude, on enlève toujours Tavares, mais là, j'ai envie de faire souffler Dest. Et ensuite, ouais, bah, Kamavinga. Et on va faire entrer Gay. Quoique, attendez, les amis, j'ai envie de tester un autre truc. J'ai envie de faire jouer un peu Cherki en fait. Ah non, malheureusement, c'est pas son poste. Ouais, bon, tant pis, Gay. Ah, je voulais donner un peu de temps de jeu à Cherki, mais tant pis. Et c'est bizarre, sur ce FIFA, c'est beaucoup les défenseurs qui se fatiguent et pas les attaquants. Après, on sait que maintenant, le football moderne, les défenseurs montent beaucoup, ils courent beaucoup, donc je comprends que se fatigue. On peut voir Dest, d'ailleurs, il fait beaucoup d'aller-venu, il va, il vient tout le temps. Oh la passe, qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Et Léo, il court plus du tout, les gars. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, Tavares, faut tenir. Attention, attention. Allez, Perrin, il faut monter là. Et Perrin qui se fait battre à la tête. Mais ça va, c'est claqué par Lunin. Et ce sera un corner pour les Girondins. Oui, c'est complètement troué, Perrin. Incroyable. Allez, ce ballon, faut le dégager loin devant. Voilà, bien joué. C'est capté par Lunin. Et voilà, c'est terminé, les amis. C'est une victoire de l'Olympique de Marseille. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour aider à me faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se dit à bientôt. Et allez l'OM !